5 idées de business extrêmement rentables à lancer avec moins de 100 euros, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu es à la forme, c'est Alexandre, on se retrouve aujourd'hui dans les Alpes pour parler de business en ligne et d'argent sur internet. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 idées de business extrêmement rentables en 2021 mais également dans les prochaines années que tu vas pouvoir soit lancer gratuitement, soit avec seulement quelques dizaines d'euros. L'objectif, c'est de se lancer avec moins de 100 euros pour gagner de l'argent sur internet, pour créer un business rentable et pour devenir libre grâce à internet. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos gratuitement sur YouTube. N'hésite pas également à lâcher ton petit like puisque là on est dans les Alpes, ce n'est pas un fond vert, c'est vraiment un paysage de dingue. Et n'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de ce format de vidéo où je me filme, où je te partage des conseils dans un paysage de dingue dans les commentaires de cette vidéo. Ça me permettra de savoir si tu apprécies ou non ce concept et si je réitère ce concept. Alors commençons maintenant avec la première idée de business que tu vas pouvoir lancer avec moins de 100 euros. Et bien c'est tout simplement devenir freelance. Alors freelance, c'est quoi? C'est une personne qui va vendre des compétences sur internet, qui va vendre ses compétences sur internet de façon indépendante. C'est-à-dire qu'un freelance est indépendant, il n'est pas salarié, il est vraiment seul, enfin il va développer son activité tout seul, il va travailler avec ses clients ou alors pourquoi pas avec son équipe si il veut développer une équipe. Mais le freelance, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant si tu veux démarrer en partant de zéro parce que tu n'as pas besoin de budget. Alors tu as peut-être besoin de quelques dizaines d'euros pour acheter différentes licences sur différents logiciels, notamment si aujourd'hui tu veux devenir freelance dans le montage vidéo, ça peut être intéressant d'acheter un logiciel de montage vidéo, même s'il y en a des gratuits, tu peux démarrer 100% gratuitement. Pareil pour la création de logo, la création de visuel, tu peux peut-être acheter Photoshop, même si tu as d'autres logiciels qui sont gratuits bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, le freelance, tu peux démarrer 100% gratuitement avec des logiciels gratuits. Si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu veux investir dans ton confort, avoir de meilleurs outils, tu peux investir quelques dizaines d'euros dans des logiciels et surtout, tu peux avoir du trafic gratuitement grâce à différentes plateformes. Je m'explique. En gros, aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes qui vont te mettre en relation avec des clients, c'est-à-dire qu'ils mettent en relation des freelances et des clients. Donc, je pense par exemple à 5euros.com, à Fiverr, à Coder.com, à Upwork, à Malt, etc. Il y en a des dizaines et des dizaines. Tu tapes simplement plateforme freelance sur Google, tu en trouveras des dizaines. Personnellement, je te recommande notamment 5euros.com, je te recommande Upwork également, c'est un indispensable. Coder.com qui peut être également intéressant et Malt, c'est la crème de la crème des freelances. Ça peut être aussi très très intéressant. Mais sache que l'inscription à ces plateformes, c'est 100% gratuit. Alors, tu as différentes formes. Formule, par exemple, sur 5euros.com, tu as des formules payantes, mais tu as une formule gratuite. Donc, tu peux démarrer gratuitement sans dépenser un centime et dès que tu as un client, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Et cet argent, soit tu le gardes pour toi, soit tu le réinvestis dans des outils ou dans une formule payante qui te permettra d'avoir de nombreux clients par la suite, d'avoir de plus en plus de clients. Ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, pour démarrer, tu peux te lancer gratuitement en tant que freelance, que ce soit pour le trafic, mais également pour les outils ou du moins te lancer pour moins de 100 euros. Le deuxième business que tu vas pouvoir lancer avec moins de 100 euros, c'est tout simplement l'affiliation. Alors l'affiliation, j'en parle très régulièrement sur la chaîne YouTube. C'est tout simplement le fait de promouvoir un produit ou un service et de toucher une commission pour chaque vente que tu vas générer. En gros, tu vas vendre les produits des autres et tu vas être rémunéré pour ça. Personnellement, c'est l'un des business préférés, c'est l'un de mes business préférés. C'est pour ça que j'en parle souvent sur YouTube parce que c'est extrêmement puissant dans le sens où tu n'as pas besoin de créer de produits, tu n'as pas besoin de gérer les mises à jour, de gérer le SAV, le support client, de gérer les retours clients, de gérer la facturation, etc. Tu as simplement besoin d'amener du trafic et à toucher les commissions d'affiliation. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, l'affiliation, tu peux te lancer 100% gratuitement, notamment, tu vois, je pense à YouTube, à un blog, etc. Donc YouTube, par exemple, tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu crées des vidéos et dans la description de cette vidéo, tu peux mettre des liens d'affiliation. Ça peut être extrêmement intéressant. Ça dépend de ta thématique, de ta niche, bien évidemment, mais ça peut être très intéressant. Et le seul investissement que je te recommanderais si tu veux te lancer en affiliation, d'abord, c'est pourquoi pas un micro si tu te lances sur YouTube, un hébergeur web si tu veux faire de l'affiliation sur un blog, etc. Mais le seul investissement que je te recommande, c'est d'avoir un abonnement chez System.io, qui est un outil marketing qui va te permettre de créer des pages web, des tunnels de vente, qui va te permettre également de capturer les emails de ton audience pour ensuite les relancer vers des liens d'affiliation, ce qui peut être extrêmement intéressant. System.io, il y a 30 jours gratuits au lieu de 14 dans la description de cette vidéo. Donc, c'est un lien qui va te permettre de doubler ta période d'essai. Pendant 30 jours, c'est 0 euros. Et après, si tu veux avoir un abonnement System.io, l'abonnement de base, c'est 27 euros par mois. Donc, tu as pendant 2 mois, tu vas payer 27 euros, ce qui est largement moins que les 100 euros. Et c'est le seul investissement que je
te recommande, eh bien, pour faire de l'affiliation. Et si tu veux faire de l'affiliation sur YouTube, je te recommande un micro qui coûte une dizaine, une quinzaine d'euros sur Amazon, un petit micro cravate. Si tu veux faire un blog, un site internet, je te recommande un hébergeur. Un hébergeur, ça coûte 5 euros par mois sur O2 Switch, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment pas cher et tu peux te lancer avec moins de 100 euros très facilement. Troisième idée de business que tu vas pouvoir lancer une nouvelle fois avec seulement quelques dizaines d'euros, ça va être le coaching, uniquement si tu as une réelle expertise. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui proposent du coaching et derrière, quand je me renseigne un petit peu, elles n'ont aucune connaissance, aucune expertise. Donc forcément, voilà, faut se lancer, faut coacher des personnes uniquement si tu peux réellement les aider et non pas faire ça uniquement pour l'argent. Donc, si tu as une expertise dans tel ou tel domaine, dans n'importe quel domaine, dans le marketing, dans l'immobilier, dans la bourse, dans le développement personnel, dans la méditation, dans la nutrition, le sport, etc., tu peux proposer du coaching sur Internet. Tu n'as pas besoin d'être un expert, hein. Il suffit simplement d'avoir plus de connaissances que ton client, que ton élève pour justement le coacher, l'amener d'un point A à un point B, l'amener au niveau supérieur. Et le coaching, l'avantage, c'est que tu peux te lancer littéralement avec 0 euros. Tu peux chercher tes clients sur Facebook, sur des groupes Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur les blogs, etc. Tu peux te lancer pour 0. Une nouvelle fois, le seul investissement que je te recommanderais, ça peut être System.io comme l'affiliation pour capturer les emails ou alors un autre autorépondeur. Mais System.io, l'avantage, c'est que c'est tout en un. Tu as un prix, enfin le meilleur rapport qualité-prix selon moi sur le marché francophone et c'est vraiment très très puissant. Une nouvelle fois, tu as 30 jours gratuits avec le lien dans la description de cette vidéo et l'abonnement de base est à 27 euros par mois seulement. Donc, tu peux te lancer pour seulement quelques dizaines d'euros. Tu as 2 mois pour justement générer 27 euros en coaching. Je pense que c'est largement réalisable et surtout le coaching, ça peut te permettre de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Dans le sens où aujourd'hui, si tu vends ton coaching à 200 euros, bah, tu as besoin de 5 clients par mois pour gagner 1000 euros par mois. Si tu le vends 500 euros le coaching, tu as besoin de 5 clients pour générer 2500 euros par mois. Donc, c'est vraiment très rapide et tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients pour générer suffisamment d'argent pour vivre de ton activité sur Internet. Donc, ça, c'est le gros avantage du coaching. Quatrième idée de business rentable à lancer avec moins de 100 euros, ça va être la vente de formations en ligne. Une nouvelle fois, si tu as une réelle expertise, parce que une nouvelle fois, il y a des personnes qui vendent des formations en ligne sans avoir d'expertise derrière, sans avoir d'expérience derrière et je trouve ça assez dommage. Donc, il faut vraiment voir le coaching ou la formation en ligne comme une solution pour aider tes clients et aider tes élèves. Donc, si tu peux les amener d'un point A à un point B, c'est tout à fait réalisable. Ou si tu peux les aider à résoudre un problème, c'est une nouvelle fois réalisable. Donc, tu vas pouvoir te lancer dans ces deux business. La formation en ligne, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir décorréler ton temps par rapport à l'argent que tu vas générer. Donc, quand tu fais un coaching, bah, tu as besoin d'être présent avec ton client pour justement vendre ta prestation. Alors qu'une formation, tu as besoin de créer la formation une fois et ensuite tu vas pouvoir la vendre en illimité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement puissant et tu peux très bien allier les deux, c'est-à-dire commencer par le coaching, ensuite proposer des formations en ligne ou faire l'inverse, proposer des formations en ligne, ensuite proposer du coaching. Ça peut être tout à fait possible. Et la formation en ligne, l'investissement que je te recommande une nouvelle fois, c'est System.io parce que c'est un outil qui va te permettre d'héberger et de sécuriser tes formations. Donc, tu vas pouvoir créer des espaces membres qui vont justement permettre à tes clients de suivre ta formation, d'accéder à ta formation. Ça va te permettre aussi de créer des tunnels de vente, des bons de commande pour facturer ton client, pour générer de l'argent, pour récupérer de l'argent, pour tout simplement toucher l'argent de tes ventes. Et ça va te permettre aussi de capturer des emails, d'utiliser l'email marketing, etc. Donc, c'est vraiment un outil tout en un. Une nouvelle fois, je te le recommande. C'est 27 euros par mois au bout de 30 jours puisque tu as 30 jours gratuits. Et également, tu peux utiliser Vimeo. Vimeo, c'est une solution d'hébergement de vidéos. C'est ce que j'utilise dans mes formations en ligne. Donc, toutes mes vidéos de formation en ligne sont hébergées sur Vimeo. Ça permet de les sécuriser et de rendre plus agréable l'expérience utilisateur. Alors, Vimeo, j'ai plus le prix en tête, mais il me semble que c'est quelques euros par mois pour l'offre de base. Ça doit être 7 ou 8 euros par mois. Donc, tu peux très facilement te lancer avec moins de 100 euros dans la formation en ligne. Et avant de te dévoiler la cinquième et dernière idée de business rentable à lancer avec moins de 100 euros, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour accéder au challenge affranchi 100% gratuitement. C'est un challenge de 4 vidéos avec différentes ressources complémentaires qui sont une nouvelle fois totalement gratuites. Et ce challenge va t'aider et t'expliquer les étapes. Et ce challenge a pour objectif de t'aider et de t'accompagner dans la mise en place de ton business. C'est-à-dire que peu importe le business que tu souhaites lancer aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir utiliser les différentes étapes du challenge affranchi pour le lancer et pour le développer dans les meilleures conditions. Tu recevras également différentes ressources complémentaires, une nouvelle fois 100% gratuites, notamment un guide qui t'expliquera les étapes à suivre pour passer de 0 à 1000 euros par mois sur Internet, ainsi que des templates à copier-coller dans ton business. C'est 100% gratuit, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, donc je t'invite vivement à cliquer et à en profiter. Donc maintenant, comme promis, cinquième et dernière idée de business
rentable à lancer avec moins de 100 euros, c'est le low content. Le low content, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de vendre des carnets sur Amazon. Alors, je m'explique. En gros, tu vas créer un document en format PDF que tu vas publier sur Amazon et quand le client va l'acheter, Amazon va l'imprimer au format papier et va l'envoyer au format papier au client. Donc, c'est une sorte de dropshipping. Le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir générer des royalties en automatique et tu vas pouvoir générer des revenus passifs mois après mois, année après année. C'est un business qui est en train d'exploser aux États-Unis, qui commence à arriver de façon assez massive sur le marché francophone. Et en gros, je prends un exemple très classique, mais en gros, tu peux créer un carnet de cuisine. Dans ce carnet, tu vas mettre des lignes, notamment une partie ingrédients, une partie temps de cuisson, une partie recette, etc. Et c'est le client qui va remplir ce carnet. Donc, il va mettre les ingrédients, il va mettre le temps de cuisson, il va mettre les étapes à suivre pour faire la recette. Et ça, ça permet d'apporter au client un carnet personnalisable qui va remplir lui-même. Et c'est un business qui est actuellement en train d'exploser sur Amazon et c'est extrêmement simple à lancer. Surtout, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu as simplement besoin de créer un PDF avec Canva, C-A-N-V-A, c'est un logiciel gratuit qui te permet de créer des designs, des visuels, des carnets. Et tu as une formule premium, donc ça doit être quelques euros par mois seulement. Et c'est le seul investissement que je te recommanderais si tu veux te lancer dans ce business. Donc, tu peux te lancer avec moins de 10 euros par mois dans ce business qui peut te rapporter beaucoup d'argent en automatique sur le long terme. Donc, si tu souhaites en savoir plus, bien sûr, ce business, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube. Je t'invite à aller la voir, c'est une des vidéos les plus populaires de ma chaîne parce que c'est un business qui est vraiment très, très intéressant, qui peut te permettre de générer des revenus passifs gratuitement sur internet. Donc, je t'invite vivement à aller voir cette vidéo si tu souhaites en savoir plus et si tu souhaites découvrir eh bien toutes les étapes à suivre pour te lancer en low content. Alors, avant de terminer cette vidéo, je te réinvite à rejoindre le challenge affranchi. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo, 100% gratuit. C'est un challenge de 4 vidéos qui va t'expliquer et t'accompagner dans la mise en place de ton business rentable. C'est 100% gratuit parce que l'élément très important lorsque tu veux lancer un business, ça va être tout simplement la formation. C'est-à-dire que tu dois te former, tu dois acquérir les bonnes connaissances, les bonnes compétences. Et ce challenge qui est gratuit te permettra eh bien, de les acquérir et de découvrir les étapes à suivre pour lancer ton business rentable. Donc voilà, cela étant dit, c'est le premier lien dans la description. N'oublie pas d'en profiter et de me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que tu as pensé de cette vidéo et ce que tu as pensé également de ce décor de dingue. Et voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, active les notifications pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos gratuitement sur YouTube. C'était Alexandre, merci pour ton écoute. Ciao, ciao.